Bonjour les enfants, c'est de nouveau Gordon. Aujourd'hui, j'essaie d'apprendre à jouer de la guitare. Mais pour cela, il faut d'abord que je me fabrique ma propre guitare. Que diriez-vous de vous fabriquer votre propre guitare aujourd'hui ? Pour cela, il faut tout d'abord rassembler le matériel et les outils nécessaires. Voici ce qu'il vous faut. Commencez par découper les patrons en papier qui se trouvent sur ces deux pages ici. Utilisez vos ciseaux pour les découper. Quand vos patrons sont découpés, appliquez-leur une couche de colle rapide. Collez le manche de la guitare sur le corps de la guitare. Prenez votre carton et mettez le patron en papier de la guitare sur le carton. Prenez un marqueur et tracez le contour de la guitare. En fonction de l'épaisseur du carton, il vous faudra ensuite entre 4 et 8 feuilles de carton. Vous devrez laisser un de vos patrons sans trou au centre et ce sera la couche de fond. Découpez ensuite les patrons. C'est plus facile avec une grande paire de ciseaux. Pour les petits, il vaut peut-être mieux demander à votre maman ou à votre papa de vous aider à les découper. Quand vous avez terminé de découper tous vos patrons, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vu que j'utilise un carton assez mince, j'ai décidé de découper 8 patrons au total. J'ai envie d'avoir une guitare bien épaisse. Maintenant, je prends ma colle et je colle les couches ensemble. Appliquez une bonne dose de colle sur chaque couche. Voilà, j'ai fini de coller les couches ensemble. Maintenant, il faut coller la couche extérieure sur la guitare. Il faut pour cela découper cette feuille-ci. Maintenant que nous avons découpé le contour de la guitare, il faut la coller. Il suffit de mettre un peu de colle ici et là. Et ensuite, de coller le manche au corps de la guitare. Puis, coller la tête ici, au-dessus. Il faut ensuite coller l'image de la guitare, comme ceci. Il va ensuite falloir faire des trous dans la guitare pour attacher les élastiques. J'utilise un bâtonnet pointu pour faire les trous. Il vaut peut-être mieux que vous demandiez à un adulte comme maman ou papa de vous aider. Vous prenez le bâtonnet pointu et vous le poussez à l'intérieur comme ceci. Poussez-le et faites-le tourner doucement. Il faut faire 3 ou 4 trous et puis faire la même chose sur la tête. Si vous avez fait 4 trous en bas,
il vous faut faire 4 trous en haut. Si vous avez fait 3 trous en bas, il vous faut faire 3 trous en haut. N'utilisez pas les points blancs comme référence. Mettez plutôt les 3 ou 4 trous ici en diagonale. Enfoncez le bâtonnet. Puis, prenez les élastiques. 1. 2. 3. 4. Introduisez-les à l'intérieur du corps de la guitare. Puis, utilisez un trombone pour attacher le bout de chaque corde. Utilisez un trombone séparé pour chaque élastique. Ce sera plus facile pour accorder la guitare après. Une fois que vous avez attaché tous les élastiques à la base de la guitare, vous êtes prêt à faire la tête de la guitare. Étirez les élastiques et faites-les passer dans la tête, comme ceci. Voilà. Attachez-les à un seul trombone sur la tête de la guitare. Votre guitare ne produit pas de son pour le moment. Elle ne fonctionne pas parce que les cordes sont contre le corps de la guitare. Il vous faut maintenant soit un bâton, soit un crayon, dont vous n'avez plus besoin. Et il faut le casser pour qu'il ait la bonne dimension. Demandez à votre maman ou à votre papa de vous aider. Les morceaux de crayon doivent être suffisamment longs pour pouvoir être placés en dessous des cordes ici, c'est-à-dire environ 8 cm. Bon, le son n'est pas encore formidable. Pour ajuster le son, on peut tirer sur les élastiques et les enrouler autour du trombone. Voilà! J'espère que vous vous êtes bien amusé en fabriquant cette guitare avec moi aujourd'hui. Et j'espère vous revoir bientôt sur Prit World. N'oubliez pas d'en parler à vos amis et amusez-vous bien. Bonne journée, au revoir.